sur France Bleu Orléans. Et notre coup de cœur aujourd'hui pour l'événement Mon Village a du talent du côté de Nogent-sur-Vernisson. C'est ce dimanche à 16h, 10 meilleurs talents du Gâtinais sur scène pour en parler beaucoup mieux que moi. Théophane, bonjour. Bonjour Mohamed, merci pour votre invitation dans Ça vaut le détour et bonjour à tous les éditeurs de France Bleu. Et bah nous aussi ravis de vous accueillir pour nous parler de ce bel événement qui a lieu ce dimanche à 16h. Alors je disais 10 meilleurs talents du Gâtinais qui seront sur scène à l'occasion de Mon Village a du talent. Oui effectivement, on a fait des castings avec un jury d'exception constitué de professionnels puisqu'on avait des professeurs de chant, des professeurs de danse, des représentants de la Maison de la Musique de Bellegarde, incarnés par Tristan Camus. On avait également des personnalités locales élues, le président de la communauté de communes Canaux et Forêts en Gâtinais, Monsieur Albert Sevrier, le président également de la commission communication et relations publiques, qui est élu également à la communauté de communes, qui s'appelle Dominique Dau. Bref, tout cet aéropage a sélectionné parmi plusieurs dizaines de candidatures. Et d'ailleurs, je remercie France Bleu parce que France Bleu a relayé les castings et les auditions gratuites. Ah bah oui. Et donc, on a fait les castings il y a quelques semaines et on a retenu les 10 meilleurs et que je mets en scène ce dimanche après-midi. Alors, si vous êtes amoureux du spectacle vivant, si vous aimez la musique, si vous aimez les talents, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, et que vous avez envie de passer un bon moment dans une salle de spectacle qui est toute récente, ouais, qui s'appelle l'Espace des Étangs à Nogent-sur-Vernisson, à côté de Montargis, eh bien, je vous invite à ce moment-là tous à venir applaudir les talents du Gâtinais, de Canaux et Forêts en Gâtinais, dimanche après-midi à 16h, et c'est gratuit. Donc il reste quelques places, là, on va être presque complet, et allez, il reste une petite vingtaine de places pour les auditeurs de France Bleu, donc c'est le moment d'aller sur Internet pour réserver vos places sur www.maville-a-du-talent.com. Alors, www.maville-a-du-talent.com. Alors, je n'ai pas posé une seule question. Il a tout fait tout seul. Un vrai professionnel, Théo. Mais ça se voit que ce projet vous tient vraiment à cœur. C'était beaucoup de temps. C'était du casting, comme on l'a dit, avec France Bleu qui s'était associé justement pour annoncer tout ça sur France Bleu Orléans. Ça vous a demandé beaucoup de temps pour organiser cet événement, Théo? Oui, et je voudrais remercier vraiment cette communauté de communes qui s'appelle Canaux et Forêts Gâtinais, qui réunit 38 villages, parce que quand je les ai rencontrés il y a un an, eh bien, je leur ai dit, j'ai une idée, j'ai envie de proposer un inter-village pour pouvoir faire émerger les meilleurs talents parmi les 38 villages de votre communauté de communes. Ils m'ont dit, ah génial, on cherche un événement justement pour relier toutes les communes entre elles et faire en sorte que les gens se rencontrent et qu'il puisse y avoir une émulation. Et donc du coup, ça a été un an de discussions, d'échanges, d'idées, etc. J'ai même accepté qu'on change le nom de mon événement qui initialement s'appelle Ma Ville a du Talent pour qu'on l'appelle cette fois-ci Mon Village a du Talent, puisque effectivement il s'agit de petites communes avec peu d'habitants, mais qui sont très talentueux, je peux vous le dire. Et donc vraiment, je remercie Dominique Dau et Albert Février pour leur confiance. Et puis après, c'est aussi la magie d'ouvrir la parole à des gens qui ont envie de s'exprimer, qui ont envie de partager une aptitude artistique, qui ont envie d'être sur scène et qui sont formés en général par des écoles de musique excellentes, hein, comme celle de Bellegarde ou celle de Loris, par exemple, à côté de Montargis. Ouais. Et donc, du coup, on a été vraiment, franchement, hein, je peux vous le dire, parce que les castings ont eu lieu fin avril, on a été vraiment bluffés par la qualité, le niveau des prestations qui sont proposées. Franchement, moi je suis à toute la France avec cet événement-là, donc j'ai l'habitude. Ouais. Et là, je peux vous dire que dans le Gâtinais, il y a énormément de très très bons talents. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que TF1 et M6 m'ont demandé d'ailleurs de faire des passerelles, de faire des partenariats avec leurs émissions The Voice et La France a un incroyable talent, parce que je leur envoie les meilleures pépites que je découvre dans les territoires et dans toutes les localités qu'on sillonne toute l'année. Ouais. Et donc du coup, les meilleurs talents sont envoyés au casting parisien pour pouvoir passer à la télé. Arrêtez, je vais m'inscrire. Merci beaucoup, on a retenu que c'était avec moi. Juste une dernière chose, je voulais quand même aussi remercier les partenaires, parce qu'il y en a quatre, mais ils sont vraiment formidables. Allez-y, alors on va speeder parce que... Voilà, il y a Brossard Voyage, qui est l'agence Avas Voyage à Montargis, il y a le Pole Dance Center, le centre de Pole Dance à Fleury-des-Aubrais, et puis il y a la musique, bien sûr, la Maison de la Musique de Bellegarde, avec Tristan Camus, et puis Alexandra Laurent-Claus, qui fait du Laidanès, avec son site laidanès.fr. Voilà, merci à
infiniment. Merci à vous, Théo. Je vous dis à dimanche, à dimanche 16h du côté de Nogent-sur-Vernisson. Avec grand plaisir. À bientôt. Merci, au revoir. Merci à France Bleu. Au revoir. Au revoir.